Ma Fouedzine, salam alaikum sur Piscana. Donc là on vous voit pour Chouf. Donc ça fait 3 jours que vous êtes en Tunisie pour les JCC, donc les journées cinématographiques de Carthage, où le film est sélectionné pour dans la compétition officielle. C'est bien cela? Et donc hier on a eu l'occasion d'assister avec vous à l'avant-première. Est-ce que déjà vous pouvez nous parler de ces 3 jours à Tunis? Ces 3 jours à Tunis, ils ont été vraiment, ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on nous a bien accueillis. Et on ne savait pas que le film à Tunis ou en Tunisie tout court, il allait prendre autant d'importance. Et voilà, et donc, merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait prendre au film autant d'importance? Ce qui l'a fait prendre, je vais te dire la vérité, je sais pas, mais après, le fait que les gens ont kiffé, tu vois, nous on a fait 2 salles, enfin hier et aujourd'hui on a fait 2 salles, une de 1800 personnes et une de 600 personnes, si je me trompe pas. Et la réaction des gens était super, quoi, tu vois. Donc moi je pense qu'à partir de là je me suis dit ok c'est réussi tu vois en Tunisie. La question elle est pour Oussama, déjà est-ce que tu peux nous parler, nous donner un petit aperçu du film Chouf, un teaser sans trop nous cramer les événements pour le public? Ben en fait c'est un peu c'est l'effet divers, c'est un film sur l'effet divers de ce qui se passe à Marseille tu vois, dans les quartiers, dans la guerre des gangs, tout ce qui se passe, le mauvais qui se passe à Marseille, les meurtres et tout ça en fait c'est un peu basé sur ça, bon il y a une histoire quand même. C'est un jeune étudiant qui n'a rien à voir dans ça et tout, qui fait ses études. Son frère, il est dans le business à Marseille, il vient en vacances pour voir son frère et en fait, son frère se fait tuer. Il veut faire justice à son frère en fait, tu vois. Au début, il veut venger son frère, il veut faire justice. Et en fait, et après, il rentre dans un engrenage et après le film, voilà, je ne vais pas vous raconter, il y a plusieurs étapes et tout. Il y a beaucoup d'émotions, tu vois. Il y a une morale, surtout il y a une morale dans le film, tu vois. Et voilà, nous quand on a vu le film, on l'a compris direct, la morale, tu vois, parce qu'au début, on ne s'attendait pas à ça, tu vois. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont compris, ça, qui, tu vois, ça nous fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent le film, la morale, tu vois. Et c'est ça le truc, tu vois, c'est, voilà, après, il faut aller le voir. Hein. Est-ce que chacun peut nous raconter séparément sa rencontre avec Karim Dridi? Ben ouais, en fait, moi et Foued, il y a 4 ans en arrière, en fait. On a été contacté parce que nous on chante, on fait de la musique, on fait du rap. Et en fait, on a été contacté par rapport à la musique, pour la musique au début, tu vois, pour faire la BO du film, pour faire le... Et on l'a rencontré, il nous a expliqué le scénario, on a commencé à écrire un son et tout. Et de là, il y a eu une affinité et tout. Il nous a dit profitez, faites le casting. Foued Naba, il a été repéré, tu vois, par la casteuse, la Emma Soisson. Elle a vu, je sais pas, elle a dit toi, tu vas avoir un rôle sûr et certain, tu vas avoir un. Et après, nous, on a fait le casting et on a eu tous ces petits rôles au départ. Après, nos rôles, ils ont évolué, tu vois. Tous, pratiquement tout le monde dans le film. Voilà, il a été un peu expliqué le tout, tu vois. Après, un peu plus détaillé, c'est que Karim, il est venu à la cité. Et comme on explique, en fait, c'est qu'on est issu d'une cité où il y a plus de 7000 habitants, tu vois. Donc, c'était aussi... C'est pas un quartier, on va dire, un quartier cool, tu vois. Donc du coup, quand le mec il est arrivé, quand Karim Dridji est arrivé à Herbel, il a demandé à un jeune, allez nous chercher le groupe 1143. C'est moi, lui et Farouk qui joue Farouk. C'est Dar qui joue Farouk. Donc voilà, du coup, on s'était vu avec Karim Dridji. Qu'est-ce qu'il y a? Bam bam, on l'a fait comme il a dit, le titre de la BO. Et ensuite, on a fait le casting, super bien passé. Il y a eu 1500 personnes qui sont passées. J'ai casté pas mal de gens, on va dire environ 500 personnes. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je partais au casting, en fait, je suis allé une fois au casting. Dès qu'elle m'a dit, c'est sûr, tu auras ton rôle, je repartais moi tous les jours. Tu vois, pour aider les autres. Voilà, tu vois, voilà, exact. Tu vois,
Et du coup, moi, je kiffais, tu vois. Et de là, voilà, de là, c'est fait comme ça. Prezine, c'est fait différemment, il va vous expliquer. Ben, moi, en fait, ouais, Karim, il est venu au quartier. En fait, j'ai deux quartiers, moi. Je suis né dans un quartier et j'ai déménagé de ce quartier pour aller dans un autre quartier. Et voilà, c'est à La Plaine, dans le centre-ville de Marseille. Il est venu dans une association qui s'appelle MTP. C'est un groupe de supporters de l'OM. Et ouais, voilà quoi. Et Karim, il posait des flyers un peu dans les quartiers où il y a du mouvement, tu sais, où il y a des associations, les quartiers connus et tout ça. Et voilà, je l'ai rencontré. On m'a dit que c'est lui qui a fait Khamsa. Il avait déjà fait un film sur Marseille qui s'appelait Khamsa en 2008. Et voilà, nous, déjà, on connaissait Khamsa. Donc, quand il a posé le fly et les coordonnées qu'il y avait un caching, j'ai direct envoyé mes coordonnées pour avoir un rendez-vous pour un caching. Un film sur Marseille. Ça nous a, comme ça nous avait plu, comme ça, donc je voulais le faire, le casting. Au début, je suis allé pour rigoler. Et voilà, après, une semaine après, Karim m'a appelé. Il m'a dit, je veux te revoir. Et voilà. Voilà, c'est parti de là. Et donc, il faut souligner, c'est la première fois où vous êtes acteur dans un film. Vous avez jamais fait ni court-métrage, ni long-métrage, ni rien du tout. Nous, en fait, la caméra, ça ne nous a pas trop choqué. Tu vois, même si c'est pas le même nombre de caméras ou c'est pas même la même caméra que tu te retrouves, mais on avait un peu l'habitude par rapport au clip, tu vois, contrairement à Zine, que Zine il avait pas, c'était la première, après c'est la première fois qu'on joue un jeu, qu'on joue un personnage. D'habitude dans nos clips de rap on joue nous-mêmes, tu vois, c'est notre truc, c'est des playback et ouais, histoire réglée, tu vois, mais là c'est la première fois qu'on joue un personnage qu'on nous donne, c'est-à-dire que dans le film on n'est pas Rachid, il est pas foufou comme dans le film, Marteau non plus et Reda non plus, tu vois. Donc ouais, c'est la première fois qu'on... C'est notre premier film, quoi. C'est la première fois qu'on joue, tu vois. Et est-ce qu'il y a des similarités avec une... Par exemple, parce que le film montre la vie du terrain, en gros. La cité. La vie, est-ce qu'il y a des similarités entre vos personnages? Est-ce que vous avez pu vivre à un certain moment de vos vies? Est-ce qu'il y a des points communs, des similitudes? Ben franchement, ouais. Genre, le film, il est très, très, très réaliste. En fait, il y a beaucoup de trucs que vous allez voir dans le film, que ça se passe vraiment comme ça. Les histoires, les poussettes, les malentendus. Tu fais croire que lui, il t'a tué alors qu'il n'a rien à voir. Tu vois, c'est dans Marseille, ça se passe comme ça. Après, peut-être dans d'autres villes aussi. Mais à Marseille, ça se passe vraiment comme ça, tu vois. Après, dans les reportages, tout, parce que tu peux voir des reportages sur Marseille, tout, j'en ai vu plein, tu vois. Mais jamais te montre, jamais t'explique vraiment le... Tu dis, ouais, il y a un mort, règlement de compte pour la drogue. Ils vont te dire ça, tu vois. Alors que ce n'est pas forcément pour la drogue, tu vois. Des fois, c'est pour des histoires, mais vraiment... banal, de rien du tout, tu vois. Et voilà, et après, tu vois, dans les reportages, tu vois pas vraiment les meurtres en direct, les gens qui font des poussettes aux gens, tu vois pas le voir, tu vois, juste un corps par terre avec la police, tu vois. Et nous, on a voulu montrer ça, parce que certains d'entre nous l'ont peut-être vécu, tu vois. Moi, personnellement, je l'ai vécu, j'ai vu des amis morts, Zine aussi, il a ses amis qui sont morts, tu vois, il y en a beaucoup. Et voilà, tu vois, après, on a essayé de faire le... Karim l'a écrit son truc, on a vu que c'était peu réaliste. Après, nous, on a remodifié, tu vois, juste l'argot et tout, mais quand même, des fois, il y avait des trucs, ça se passe pas vraiment comme ça, pas directement ça se passe, hein, il a modifié, tu vois. Et voilà, le film, il est réel, réaliste, beaucoup réaliste, tu vois. Et comment s'est passé le travail avec Karim Dridi, en gros, le travail de tous les jours? Parce que vous avez eu une petite formation avant de commencer à tourner, c'est ça? Il a dit, lui, qu'il a mis 3 ans avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et commencer à tourner le film. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette période de 3 ans? Ben écoute, ouais, en fait, on n'est pas arrivé du jour au lendemain, on savait jouer, tu vois. Même s'il y avait, comme dit Karim, il y avait un petit truc, on avait déjà un petit truc, tu vois. Mais il fallait vraiment qu'on apprenne, tu vois. Donc Karim nous a, il y a 2 ans et demi en arrière, avant le tournage, je te parle, 2 ans et demi avant le tournage, il y a eu les castings, et après le casting, il y a eu les répètes. C'est-à-dire avec des acteurs, d'autres acteurs qui étaient dans le film, qui sont plus dans le film, tu vois, il y a d'autres acteurs qui ont sauté au dernier moment, comme nous, c'était probable qu'on saute au dernier moment, que ce soit Zine, que ce soit Reda ou Rache, tu vois. Donc, pendant 2 ans et demi, ça a été non-stop. C'était non-stop, répétition dans des théâtres, dans des salles, tu vois, des fois dans des salles de classe, tu vois. Voilà, on a répété, on lisait le scénario, on apprenait le scénario, les intonations, on les avait pas, tu vois, on n'avait pas ces bases-là, tu vois.
Et voilà, à la fin, ça a donné ça, ça a donné chaud. Vous avez donné une certaine discipline, une certaine rigueur pour que vous puissiez aborder ce domaine un peu plus posément. Franchement, c'est différent du rap. C'est grave différent. Après, le fait d'apprendre les textes, moi, personnellement, je suis bidon. Question d'apprendre, on avait un scénario. Moi, de toute façon, j'ai du mal à retenir mes textes depuis avant, que ce soit au studio, que ce soit... Mais bon, Oussama, il a moins de mal. Mais moi, déjà, moi, j'avais plus de mal. C'est-à-dire qu'on m'a passé un scénario comme ça, qu'on m'a dit, ouais, tu vas avoir un des rôles principaux du film, et que dessus, tu te dis, bon, il faut que j'apprenne tout ça. Tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois. Donc, du coup, on a dû apprendre. Mais c'est différent de la musique. Même pour moi, ça n'a pas changé, tu vois. Après, ça a un peu aidé au niveau de retenir les choses, tu vois. Voilà, quoi. Alors, moi, je veux revenir aussi. Le film a été nominé au Festival de Cannes. Donc, vous avez fait les marches, le tapis rouge du Festival de Cannes. Pour vous, ça fait quoi de passer de Marseille, de la vie de tous les jours, à Cannes, en tant qu'acteur? On a mis du temps à réaliser, déjà. Je me dis, on fait un film. Déjà, faire un film, un long métrage qui va passer au cinéma et tout. Au début, on n'y croyait même pas. On s'est dit, ils se moquent de nous. Tu vois, au début, ça a duré 3 ans, comme tu as dit. On n'y croyait plus à un moment donné. Tu vois. Bon, après, le film, il s'est fait et tout. On a kiffé. C'était une expérience de fou et tout. Après, dès que, je sais plus combien de temps après, tu vois, après le tournage et tout, il nous a appelé. Il nous a dit, ouais, on va à Cannes, on va monter les marches et tout. Il était content. Pour nous, c'était un truc de fou, nous. Cannes et tout, direct, premier film, Cannes et tout. Nous, on est toujours à la Cannes, mais de l'autre côté du décor, tu as vu? Pour promener, tu vois, on regardait de loin. Là, on était carrément dans le vif du sujet. Et franchement, c'était un truc de fou. C'est un truc à vivre. Faut le vivre pour comprendre, en vérité. L'histoire ou l'anecdote la plus drôle que vous ayez vécue à Cannes? Drôle. À Cannes, peut-être tu te rappelles, toi, tu as réagi. Tu te rappelles? Non. C'est le toile. Ah, attends, non. C'est une personne de la prod. On va pas déclarer le nom. Voilà. C'est une personne de la prod dont je fais un énorme big up qui s'est pris une vitre. Voilà. Ah, je vais te dire, mon frère. C'était le moment le plus chaud de Cannes. C'est-à-dire, c'est une personne... La vitre a été trop bien nettoyée, tu vois. C'est-à-dire que la vitre... Mais moi, j'avais compris, j'avais vu que cette vitre, elle était suspecte, tu vois, c'était trop bizarre. Bref, on fait tous attention, et à moi, on se pose, on boit tous notre café, on est là, on discute, on est content de Cannes et tout. D'un coup, on voit cette personne-là qui arrive, elle marche, et nous, quand elle arrive, c'est une personne assez importante, donc ça va, tu vois. On se met tous à la regarder, tu vois. Et quand il arrive... Oh, tampon rouge, là. Je te jure, le pire, c'est que la personne, c'est une personne, bon, importante, surtout au niveau du film, tu vois. Voilà, quoi. Et du coup, c'est que lui, c'est pas gêné. Nous, on a tous rigolé dans notre barbe, mais lui, normal, lui, le marteau, il a fait « Ah, regarde !» Tu vois, oh, mais il va tuer. Ça, pour moi, c'était le truc le plus fou à Cannes. Après, pendant le film, on a rigolé comme pas possible. Après le film, on a rigolé. Et là, jusqu'à présent, on est en Tunisie, on rigole. Et ça... On déguste. Nous, je te mens pas, je te dis la vérité. Dans le film, on est des super méchants. Mais dans la vie, on est des super... on aime trop rigoler, nous. Nous, c'est nous, je te mens pas, je te jure. C'est des fois, on est des gamins, ouais, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Des fois, au tournage, ça posait problème, on aimait trop rigoler. Surtout lui. Lui, je vais t'expliquer, lui. Tu vois, je vais approfondir, je m'en fous. Lui, pendant le tournage, c'est-à-dire qu'il est, il a un truc, il est très malin, c'est que lui, il arrive à garder son calme. Ouais, mais il arrive à te faire rire. Ça veut dire quoi, tu craques? Ça veut dire que, ouais, mais toi, tu vois, toi, à la fin, tu te sens blessé, tu te sens. Ça veut dire que là, dernièrement, on avait une interview pour une télé, on va pas dire les trucs. Et genre, on avait une interview pour une télé, mais c'était une télé, ça va, c'était un gros journal, tu vois. Moi, je parle normal. Quand c'est à son tour, moi, je suis sérieux. Mais quand c'était à mon tour, j'ai parlé normal. Et derrière, je l'ai vu. Sur ma vie. Tu as des collègues comme ça, obligés. Tu as une personne où juste elle te regarde, tu rigoles. Ah ben je te jure, parce que son regard en dit long, il est trop fort. Le fou rire du film, le fou rire du tournage, là où vous avez arrêté de rigoler. Le fou rire du tournage. Il y en a ouais, c'est ça. Je te jure, on rigole tellement que je pourrais pas te dire un spécial, tu vois. Après, pendant le film, tu as vu, au début qu'on a commencé le film et tout, tu as vu. On ne connaissait pas, on n'a pas l'habitude. Et genre, ils te mettent des micros comme ça pour le film, t'équipes, tu vois. Mais nous, on oublie tout ça. C'est-à-dire, nous, on parle, tu vois. Là, regarde la fille, oh, comment elle est pâle, c'est des trucs comme ça.
genre entre moi là, et genre ils ont tous des micros, tu vois. Mais n'importe quoi, quand je dis, on se moquait d'une personne, par exemple, on fait la tête qu'elle a. Et les gens, ils nous écoutaient, nous entendaient, ils faisaient semblant de ne pas nous entendre, tu vois. Et d'un coup, j'ai dit, on a le micro, frère, ils nous entendent. Et on les regardait, ils faisaient semblant qu'ils ne nous avaient pas écoutés et tout. D'un coup, je sais que tu nous regardes. D'un coup, ils commencent tous à nous regarder, à mourir de rire, tu vois. Mais nous, tu vois, les trucs comme ça, on se lâchait, nous. Tu vois, on faisait pas attention qu'on avait le micro. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, plein de trucs comme ça. Et là, moi, je voulais savoir par rapport au film. Donc là, vous êtes quasiment en train de boucler la période de promo, que ce soit en France ou en Tunisie. Apparemment, ouais. Il reste encore un festival, je crois. Mais bon, apparemment, on est en train de boucler la promo, on est en train de la faire. Là, prochainement, on est en Égypte, au Caire. Là, on part là, dans deux jours, de la Tunisie, on part là-bas. Donc on fait l'Égypte et après, Inch'Allah, on va essayer de faire d'autres trucs. S'il y a un truc qui nous plaît, je te dis la vérité. Le Maghreb, on voulait le faire à fond, tu vois, je te dis la vérité. Tunisie, Maroc, après, je sais pas s'il y a un festival au Maroc, mais... Et l'Algérie, tu vois, après, c'est les... Tunis, Maroc et... Je crois que c'est pas la même édition, mais il y a des... Ok. Donc voilà, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est voilà, on a fait la Tunisie. On s'est régalé, on aimerait bien que ça tombe dans les autres pays, tu vois. Donc on verra, tu vois, c'est même plus pour voir le public. Je te jure, ça fait chaud au cœur de ouf. Tu vois, et ce journaliste, un cas là, qui sont de ces personnes. C'est pas Rachid, c'est pas Lucien. Ouais, je te disais, ici, on a kiffé les Tunisiens, ils sont super. Et je te dis la vérité. Et maintenant, j'ai grave envie de faire l'Algérie, je te dis la vérité. Tu vois, donc voilà. Et je voulais savoir, moi, par rapport à tout ça, au cinéma et tout, est-ce que vous surtout pour les 2-11-43, est-ce que vous mettez le rap de côté ou au contraire, est-ce que ça vous encourage à sortir de nouveaux projets maintenant qu'il y a une nouvelle lumière? Ouais, on est en train de surfer dessus, comme on dit, tu vois. C'est-à-dire que déjà, il y a une BO qui est sortie. Il y a une BO qui est sortie qui est inspirée du film, qui est dans toutes les plateformes, qui est sortie à la FNAC, etc., tu vois, dans les bacs. Et ouais, non, on est en train de se servir de ça, on va dire, pour servir de tremplin, tu vois. Donc ouais, la musique, c'est pas de côté. On kiffe, nous, on aime trop ce que... Exactement, c'est-à-dire que nous, ça ne nous dérange pas. Après le film, admettons, on finissait à 9h, 10h du soir, on bombarde au studio, on kickait un son, tu vois. Pendant le tournage, on continuait. On a enregistré. Pendant le tournage, justement, vous enregistriez, il y avait une nouvelle inspi, il y avait quelque chose de nouveau dans votre manière d'écrire, ça se ressentait que vous viviez une nouvelle expérience et tout. Exactement, ouais, bien sûr. Ouais, franchement, grave, je vais laisser Oussama te dire, mais grave, ouais, j'avais une inspiration plus développée, tu vois, Ouais, c'est normal, tu vois, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, quand tu es tout le temps au quartier, renfermé un peu, bon, ton inspiration va être bloquée un peu, tu vois. Tu vas être là, tu vas voir les mêmes choses, tu vas parler. Tandis que quand tu t'évades un peu, tu vis d'autres choses et tout, c'est automatiquement ton esprit elle s'ouvre, tu vois. Tu vas dire un autre truc que tu n'as jamais vécu peut-être. C'est la première fois que tu le vis, ben, tu vas essayer de le dire. Même dans, tu vois, dans le cinéma, on a fait plein de rencontres, on a fait des scènes, genre des trucs, tu vois. Tu es obligé d'avoir une autre inspiration, tu vois. Et automatiquement, ben, on écrit, voilà, on le dit, tu vois. Et Zine, donc c'est le lancement de ta carrière cinématographique. Tu as déjà d'autres propositions ou tu envisages, toi, déjà de te lancer sérieusement dans ce domaine comme une carrière? Les propositions, on les attend, mais on n'a pas encore reçu. Comme tu as dit, c'est la fin de la promo. Dans le monde du cinéma, on ne fait pas du cinéma. On va encore attendre un peu. Et je compte vraiment me lancer dans ça. Et on compte tous vraiment se lancer dans ça parce que ça nous a vraiment plu. Et même s'il y a un tournage à faire demain, eh ben on retournera demain le film. Non, ça nous a vraiment plu et... C'est à refaire, alors. Voilà. Pour te dire, même s'il y avait une machine à retour vers le passé... On va le faire, tu vois. C'est... Ouais, voilà. On va travailler, on va tout faire pour. Donc, maintenant, juste... C'est un petit, tu vois. J'espère que ça, tu vas le garder. Hein. Tu nous as posé la question si on aimerait bien continuer. Donc moi, je vais te répondre. Bon, il a répondu, Zine. Je vais te répondre au nom de Rachid, moi et Zine. Franchement, et je te dis, s'il y a des producteurs, des réalisateurs, quoi que ce soit, on est là, on prend, on fait. On a fait un film, on a pris goût, on a kiffé. Et on va dire plus ou moins, on sait faire.
Donc franchement, s'il y a quoi que ce soit, j'espère que le message y passe. Tu vois. Ambitieux de fou. Là, juste, est-ce qu'il y en a un de vous trois, quand il a reçu le scénario ou la confirmation qu'il allait jouer dans le film, qui s'est dit « j'y arriverai jamais » quand il a vu le travail qu'il allait avoir devant lui? Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui a dit « j'y arriverai jamais, jamais, jamais » En fait, quand tu reçois un scénario pour un film, quand tu vis dans nos conditions, bon, on n'est pas, mais quand tu vis dans nos conditions, quand tu sais que c'est dur de trouver du travail, quand tu sais que tourner un film, c'est super chaud, que c'est pas n'importe qui tourne un film, quand tu reçois un scénario, tu n'as pas le temps de te poser la question, est-ce que ça va être dur ou pas? Tu te dis, je vais le faire, baisser faire l'IA. Ouais, non, tu vas le faire, tu vois, tu vas te dire, je te dis, ouais, je le fais et je vais le manger. Et même si j'arrive pas, je préfère qu'eux me disent, arrête, que moi, j'arrête de moi-même. Tu vois le délire, je préfère me dire, t'es bidon, arrête. Je préfère qu'eux me disent t'es bidon, que j'arrête, que moi je tente pas et que je m'en veule toute ma vie, tu vois. Là, il y a une question qui me démange, moi. Ça fait combien de temps que vous êtes en Tunisie? Exactement, là, ça va faire aujourd'hui 3 jours. 3 jours. C'est quoi les mots tunisiens? Parce que vous êtes algérien, vous, d'origine. Donc, c'est quoi les nouveaux mots en tunisien que vous avez appris? Et s'il y a une insulte, lâchez-la, les mecs. Vous avez pris... Il y a ta hanne, il y a mes bonnes. Ah, je m'en fais sur le mot. Et toi? Ouais, j'ai appris vite fait. Je te jure. Ouais, non, mais je veux pas me faire cramer à les caméras. Ça va, moi? Ouais. Je rigole, c'est la famille. Non, voilà, non, on a appris, ils parlent un peu comme les Algériens. C'est juste qu'ils, quand ils parlent, ils chantonnent, tu vois. Donc voilà. Moi, j'ai appris les mêmes mots que... Surtout vers Oussama, mon... Moi, je suis plus vers Oussama. Toi, tu rejoins le camp des pas gentils, en gros. T'es pas avec Reda, t'es pas avec Foued. Bon, ben merci les mecs pour l'interview, c'était grave sympa. Juste, si vous aviez un mot de la fin, chacun, si vous aviez un petit message à faire passer aux gens qui vont regarder votre film. Merci à vous déjà et allez tous voir Chouf, sinon vous allez tout rater dans votre vie. Hein. Écoute, si j'ai un mot à dire, c'est que le film là, il va sortir en Tunisie et que bon, en France, grâce à Dieu, les gens n'ont pas été déçus. Je pense pas que les gens vont être déçus ici, vu que les deux projections qu'on a fait, c'était super. Les gens, ils ont été réceptifs de ouf. Donc, exactement. Non, j'ai fait plus de 7 avant-premières en France. Ça a été super. On a reçu des applaudissements à chaque fin de film, tu vois. Ici, les deux projections qu'on a fait, c'était super. Donc, je pense que là, la sortie, si j'ai un mot à dire aux Tunisiens. L'équipe, allez-y, foncez, allez-y le voir, il va vous régaler. Et s'il y en a qui se posent la question, est-ce que c'est vraiment comme ça à Marseille? Ouais, c'est réellement comme ça. Voilà. Moi, je voulais remercier tous les gens qui l'ont vu, que ce soit en France, ici, en Tunisie, c'était un truc de fou. Et tous les gens qui vont aller le voir, tu vois, il y en a qui l'ont vu 3-4 fois, tu vois, en France déjà, depuis qu'il est sorti. Et voilà, je remercie tous ces gens, c'est eux la force, tu vois. Ça nous fait plaisir, nous, tu vois, que le film il fasse autant d'effets, tu vois. C'est un kiff total, et voilà, merci à tout le monde. Et voilà, big up la Tunisie, big up la France. Hein.